Je m'abandonne. Premier des péchés et dernier des hommes, né de la poussière. Quand je contemple la croix et je lève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées et je
Peut-être que ce soir, après avoir entendu le pape nous parler, peut-être que ce soir, nous pouvons nous mettre à genoux devant le Seigneur et reconnaître que qu'il est là, reconnaître vraiment sa présence malgré la tempête, comme ses disciples dans la barque qui regardent le Seigneur et qui voient le Seigneur qui est là. Ouais, peut-être ce soir nous pouvons nous mettre à genoux et reconnaître que dans cette tempête nous sommes pas grand chose. Nous sommes vulnérables, nous sommes pauvres. Reconnaître que dans cette tempête, nous pouvons éprouver la peur, l'angoisse. Mais comme dit le pape, Jésus est là, Jésus est dans la tempête, Jésus est dans la barque avec nous. Et je vous invite à regarder cette croix qui est le signe de le plus grand signe d'amour, cette croix qui nous montre Jésus qui a donné sa vie pour nous, cette croix qui est là et qui nous invite à cette espérance que malgré la tempête, malgré nos pauvretés, Dieu est là, Dieu donne sa vie, Dieu nous sauve. Le pape nous disait que le Seigneur, par sa croix, nous invite à redécouvrir le sens de sa vie, à redécouvrir le sens de nos vies. Parce que par sa croix, nous sommes sauvés. Parce que par sa croix, Jésus nous arrache de la mort. Jésus nous arrache de nos peurs. Jésus nous arrache de notre péché, de nos enfermements, de nos manques de tendresse, de nos frustrations, de nos agacements. Et Jésus dépose dans notre cœur la joie, la paix. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à l'espérance, à cette espérance que Dieu réellement sauve, que Dieu réellement tend la main. Et devant cette croix, reconnaissons Jésus comme notre Sauveur. Et devant cette croix, j'élève mon cœur et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, en un chant d'amour pour toi. Parce que tu me sauves, Jésus. Ce temps de carême, regardons cette croix comme un signe d'espérance dans nos vies. Et peut-être que nous ne comprenons pas tout. Mais humblement, mettons-nous devant le Père, tel que nous sommes. Qu'il nous sauve.
soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Toi seul.
mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Partage cette image d'un arbre immense au tronc fort dans une forêt. Le vent souffle de plus en plus fort, les arbres autour perdent leurs feuilles, plient et cassent. Mais l'arbre reste debout, ne perd aucune feuille. Seigneur, merci pour ta mort pour nous sur la croix qui fait que cet arbre de la foi en nous est tellement fort, fort de ton amour pour nous, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, tu augmentes en nous la foi. Tu nous fais contempler ta croix et ta mort sur la croix où tu as tout donné pour nous, avec le Saint-Père, qui nous rappelle combien tu es présent au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence et la force de ton amour. Merci pour l'espérance. Couvre ton amour en nous, Seigneur. Merci parce que cet arbre fort et grand dans cette forêt chasse toute peur et ce lieu de réconfort. Merci pour cette prière mondiale qu'il vient d'y avoir. Il y a quelques minutes, à partir de cette prière du pape, cette prière de la foi mondiale. Merci pour la force de la prière, Seigneur. Cette prière qui enlève, cette foi qui enlève toute angoisse, qui nous fait regarder la force de ton amour, Seigneur. Merci Jésus, béni sois-tu pour ta mort sur la croix pour nous. Merci d'être l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Prendre ce temps pour remercier le Seigneur qui a tout donné pour nous au pied de cette croix en ce vendredi de carême. Que nous puissions chacun laisser montrer notre louange, notre action de grâce vers celui qui nous fait grâce. Prenons ce temps maintenant. Passage de la mort à la vie.
Voilà, nous allons terminer notre prière qui a été un petit peu décalée ce soir, bien sûr, puisque ce temps de prière ensemble était vécu au niveau mondial avec cette prière en direct depuis Rome, avec le pape qui nous invitait à prier ensemble. Voilà, nous gardons dans nos cœurs ce soir tout ce que le Seigneur a donné. Nous gardons cette parole que le pape a commentée, cette parole de Dieu. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Ensemble, nous pouvons dire la prière de Jésus, cette prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons donc ce soir au terme de notre prière. Demain, vous le savez, c'est samedi, nous n'avons pas la prière. Nous nous retrouvons dimanche soir pour la messe à 19h, pour ce temps de la messe ensemble. Et nous vous donnerons aussi des informations pour tout ce qui concerne la Semaine Sainte prochainement, le dimanche des Rameaux, tout cela. Voilà, nous souhaitons un très bon week-end dans la paix du Seigneur et la force de son amour. Bon week-end à chacun et chacune. Me voir.
son âme.